La famille, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo avec Ramdan et Sofiane. Les gars, vous n'allez pas à l'école, les gars. Non. Plus tard. Donc là, on est arrivé à un endroit et apparemment, ça a l'air un peu pas mal. Ça a l'air un petit peu pas mal. Ça a l'air vraiment exquis. Donc, regardez la famille, on est dans un géant parc aquatique. Faut pas le passe, hein. On va entrer. T'as dit quoi? Faut pas le passe sanitaire pour entrer. Non, c'est parti. On est dans la pensée de Ramdan. Oh, les meufs, comment elles sont belles ici. Non, il y a pas mal de meufs ici. Ramdan, c'est un vice. Bon, c'est parti, c'est là. Ouah, j'ai vu un truc à gauche. Star Foma, wow. Les gars. C'est violent quand même. Ramdan, il a chaud. Et là, on a des toboggans. Vas-y, on va avancer. Et c'est parti pour les attractions. Les gars, on y arrive. On va voir s'ils sont chauds. On fait des groupes de deux. Deux personnes y vont, après deux personnes y vont, ok. Vas-y, moi je peux y aller avec... Avec Ramdan. Allez. Vas-y, on va casser notre meilleur bar. Bon, c'est parti les Khey. On y va, Ramdan. Ah, maintenant? Ouais. Ah, ils sont relous ici, hein. One moment, ok, oui. Ah, vas-y, casse les couilles, frère. Vas-y, reste là devant la GoPro. Bon, bah, les gars, je me suis mangé un gros stop. Elle a dit, enlève ton maillot, j'ai enlevé mon maillot. Et ensuite, elle a dit qu'on n'a pas le droit de prendre des shorts comme ça. Wow. Incroyable. Alors, les gars, t'as dit que t'allais pas le faire, en fait, t'es chaud. Tu dois cracher mon cœur. Et toi? Oh mon dieu, ça a quoi? Wow. Là c'était l'échauffement, je vous ai réservé une bête de course, là je vais être arbitre du coup. Regardez-moi ça là. Les quatre gros toboggans. Et regardez comment c'est incroyable. Qui va gagner là? Hein? Moi je pense que je vais les fumer. Tu vas les fumer? Ok. Ok, les gars, c'est une course. Que le meilleur gagne. Attends, ouais. 1, 2, 3, go! Oh le bâtard de Sofiane! Waouh! Wow! Oh non, non! Oh non, Sofiane, il les a fumés! Wow! Allez, assez de mon portable, vite! Mon portable! Il va le noyer! Mon portable! Aïe, les gars, j'ai. Hein? Est-ce que je les ai vus? Ah, tu les as éclatés! Mon portable, s'il te plaît, sauve-le! Wesh, il vous a éclaté, les gars, là. Ah, il est parti avant. Un menteur, il a les rêves. Il est parti en premier. Tu les as défoncés. Je les ai défoncés, les gars. Bon, allez, ça continue. On va rentrer dans une boutique. Et vous allez voir que l'autre côté, c'est l'étape supérieure. Il y a des toboggans. Vous allez péter votre crâne. Là, c'est quoi? C'est que des jouets, je crois. En gros, là, c'est voilà. Des... Voilà. Ah, bah, il y a des maillots, là, qui veulent, pour les enfants. En bref. Ah, il y a des restaurants, tout ça, pour ce midi. Des dos. Ça, je peux le faire. Attends, mon attraction. Tiens, mon attraction. Frère, je savais pas. Je me suis pété par le cerveau. Va en prison, frère. Vas-y, va. Il t'a dit quoi, c'est en prison? Il t'a dit c'est que 15 minutes. Putain, ils sont vraiment là pendant 15 minutes. C'est des tarés, vraiment. Attends, aide-moi là-bas. Il y a un lit, ça va. Je peux dormir. Là, ok. Surveillant. Bon, Younes. Oh, tu vois là, il y a un toboggan. Tu sautes. Ça, y a quoi? Ah non, c'est pour les enfants ça. Alors vous êtes chaud de faire le maxi toboggan jaune? Vous voulez un truc d'échauffement avant? Vous voulez vous échauffer? Vous voulez vous échauffer avant? Ça va aller. Ramdan, je crois que t'étais un bonhomme. Ouais, j'ai un truc à vous dire. À la délit d'Elo, celui qui perd, il fait le grand toboggan jaune. Sofiane, il le fait ici. Sofiane, toi, tu veux le faire ou pas? Celui qui perd, il fait le grand toboggan jaune. Vas-y, go. Ils ont grave. Si tu sautes dans le vide, c'est la même chose. Ouais, c'est pas ça. C'est qu'il est grave pas sécurisé, c'est ça le problème. Ah oui, oui. À tout moment, tu t'arrêtes. Moi, je suis chaud, on fait celui-là, regarde celui-là, Younes. Ça, vas-y, échauffez-vous avec ça et après on voit si tu fais ça. Ok, c'est parti. Wow. Yeah, let's go. Oh. Wesh, on voit rien. On voit tout là. Ah, ça arrive. Oh. Ah, c'était dans la merde. Oh les fils de... Attends, voilà. Ça va nous porter au bord. Oh, j'en vois rien dans leur truc.
Vous avez abandonné Sofiane. Mais Lodi, il a dit que t'as pas le droit au truc. Ils dit t'as pas le droit à quoi cette fois-ci? Pourtant, regardez, j'ai acheté la sécurité. J'ai acheté même ça. J'ai mis tellement de temps à trouver une lunette, je me suis dit ils sont déjà partis. En fait, tout à l'heure, on t'attendait, Ramdan, il va pas revenir. Il a raison, Ramdan. C'est le Grand Canyon. Bon, les frères, ça fait 30 minutes que je les attends qu'ils fassent ce truc derrière là. Vous allez me dire, ouais Younes, pourquoi t'es venu avec un short comme ça? En fait, je vous explique. Pour filmer, il faut qu'on a le portable. Et le portable, il me faut des poches. Et le short que j'ai, c'est le seul short à poche que j'avais dans mon armoire. Et du coup, j'ai pris ce short-là. Mais je crois que je vais aller en boutique en acheter un pour cet après-midi. Parce que, en vrai, cet après-midi, il faut que je fasse au moins une ou deux attractions. J'ai payé 28 euros. Il faut que je fasse au moins une attraction, non? Ah, ils sont là. Lui, il a un taf mesquin, lui, là. T'es arrivé? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Moi, je mange et je rentre, hein, ce matin. Et t'en dis quoi? T'as pas pu faire avec ce short? Non, elle m'a dit c'est un pantalon, elle m'a dit. C'est l'heure de manger, on va regarder ce qu'il y a. Je suis allé regarder, y'a rien. Y'a rien? T'es puni. Et ça? On va regarder, parce que nous on mange halal. Ok, tac tac. Patatas fritas. Genre ils ont pas de menu y'a végétarien. Y'a rien en poisson. Y'a rien en poisson. Voilà. Ils ont trois fiches. Sorry? Fiches. Poisson. Yes, yes. Grand moment. Et regarde, c'est... Alvaro Morata. Imagine, c'est Morata. Ah, que de la salade à la vie. Ok, gracias. Bon, attends, les Espagnols, aller, je vous aime attends, bien. Moi, je vais être froid avec vous. Votre pays. Oh my god. Ma mère, l'Espagne, c'est. C'est claqué de ouf. Un pays de raciste, un peu, héros là. En fait, c'est au niveau de racisme. En fait, il est énervé. Il est énervé parce qu'en mode, on a l'impression que nous, comme on est des rebeux, et ben, ils nous aiment pas trop. Et quand c'est les autres. On doit payer, ils nous font payer le stade de tennis, tout le monde fait, personne paye. Quand c'est nous, on vient là, on nous demande un pouvoir de nager en t-shirt, on va pouvoir nager avec nos lunettes, on va pouvoir nager avec le téléphone dans les mains, on va pouvoir nager avec nos basques, avec nos trucs de piscine. Alors, on a même pour bouffer, c'est de la salade à 8 euros, il n'y a rien, aucun poisson, aucun menu végétarien. Bon, deuxième chance pour Sofiane, deuxième chance. Qu'est-ce qu'il y a ici? Que des desserts mailleux, que des glaces. Ça a rien, des glaces. On va prendre ça. Bout, je t'ai fait des sandwichs, ça va, t'es bien toi. Ouais. On va. On 55 minutes de queue. Dès que j'arrive en haut, je monte dans la bouée. Hein. Je monte dans la bouée. La meuf, elle me regarde, elle me dit t'as un pantalon, descend. Ouais, c'est un pantalon ça. Peut-être elle aimait pas le Real Madrid. Oh, moi, la calette, aussi. On a ramené des petits trucs dans la. Regardez ce qu'on a ramené, heureusement. C'est une auberge, j'abandonne. T'as dit quoi? C'est une auberge, j'abandonne. Vous allez voir, ils vont nous virer dans quelques instants. Bon, les gars, petit message, il y a mes gars derrière. C'est juste pour vous dire que d'habitude, on s'énerve pas. On est super patient. Et les pauvres, il y a que 5 jours. Et ils viennent là, ils se font recaler tout ça. Hier, on a eu des problèmes. Donc, c'est pour ça que Sofiane, il est un peu énervé. Mais d'habitude, il est pas comme ça, la famille. Donc là, je vais aller voir avec eux ce qu'on va faire. Et puis, je pense qu'on va aller manger au restaurant ou je sais pas, on va voir. Esquiver, viens, on se barre après, ils vont pas nous voir. On leur a fait croire qu'on va partir. Mais je crois qu'ici, on peut se baigner. Regardez comment c'est magnifique. Regardez-moi ça. Waouh! Oh là là, comment je kiffe ma race. Regardez comment c'est beau. Avec des toboggans. On leur dit qu'il y a ça ou on leur dit pas? On leur dit pas. On leur dit pas? Je leur dis pas. Tu veux faire une bête de photo? Vas-y. Vas-y, go, go, go. Mais je crois que l'eau, elle est glacée. Hein. Non, mais tu fais pas, ça va aller. Ah ouais? Tu la fais juste comme ça encore. J'ai une pizzeria là. Mais c'est fermé. Donc du coup, on va se casser, on va prendre un taxi et on va aller grailler un bon repas. Et puis en tout cas, ce parc, il était... Voilà, c'était nul. C'était super nul. Faut le dire. Annulé, faut pas être trop gentil avec eux. C'était nul. Quand c'est bien, on le dit. Quand c'est nul, faut le dire. 1 hour later. Bon, on va rigoler un peu. Restaurant de la cantine. On va regarder... Ce mec, il est en train de demander si c'est halal. Le mec, il a dit, je sais pas si c'est halal. Alors? Il a dit qu'il y a quelque chose qui est halal, il va regarder. Ah, il y a un truc qui est halal. Ah, c'est plutôt bien. On va regarder déjà ce qu'il y a, regardez. Alors, on a de la paella. C'est... Regardez les légumes, s'il vous plaît. On dirait que tu as envie de mourir. Ok, là-bas ça cuit. Là, on a ça. On a ça, c'est du poulet, riz, poisson, pommes de terre. Légumes panés. Ça, c'est légumes panés. T'avais goûté? Ah, là, il y a des grillades. Si ça pouvait être halal, ya Rabbi, c'est magnifique. Si ça pouvait être halal, ce serait halal. Et là, on a des pâtes, des trucs. Le voyage, il prend une autre dimension. Ouais, même quand tu les crois comme Red One. Il est là, ton pote. Voilà. Ah, la disque halal, c'est là-bas. Des pâtes, c'est halal.
Même fried chicken, if you want nuggets and... Okay. Un dernier repas, son sandwich habituel, Misken, avec son fromage. Toujours un nouveau fromage. Toujours un nouveau fromage, Sofiane il a pris ça, on attend la viande. Ouais, il manque la viande, moi, dans mon assiette. Il manque juste un petit peu de viande, ramadan, parce qu'on va pas s'attarder dessus. Alors Younes, s'il te plaît, 2 minutes. Younes, les amis, il a pris des pâtes au vomi. C'est une nouvelle pâte, ça s'appelle pâte vomito. Il va tester. Je dis la vérité. Ouais. Dis Allah, tu dis la vérité, ouais, moi, moi. Allah, tu dis la vérité. Bah, je confirme, c'est vraiment des pâtes au vomi. Bon, la viande halal est arrivée. Ramadan, tu me dis tes impressions. Écoutez, regarde bien la cuisson. En tout cas, elle en avait beaucoup. Ça va, ça va, elle passe. Mais, ah, tu penses qu'il a mal cuit? Bah, j'ai peur que ce soit cru. La viande crue comme ça, c'est cru. Tu colles l'intestin en gire et. Non, non. Il y a un arrière-goût dégueu là, c'est ça, je pense. Ça passe, ça passe. Bon, la famille, on va vous laisser là. C'était un petit peu raté aujourd'hui, mais la prochaine vidéo, vous allez voir, ça va être un Yes Man ou un truc comme ça. Yassine, il va payer bientôt, vous allez voir. Allez, ciao.